Bonjour Émilie Simon. Bonjour. Aujourd'hui sort un deuxième single créé pendant le confinement. Je voudrais que vous m'en parliez un peu plus. Émilie Simon, vous êtes musicienne, multi-instrumentiste, auteure, compositrice. Vous êtes également productrice. On vous doit plusieurs bandes originales de films comme La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet, qui vous avez eu le César de la meilleure musique écrite pour un film en 2005 et une victoire de la musique. Comment vous est venue l'idée, ou en tout cas l'envie d'écrire pendant ce confinement? Quand le confinement a commencé, j'étais en train de préparer une vidéo pour mon album, donc sur lequel je travaille depuis quelques années, et j'ai pas pu tourner cette vidéo. Tout s'est arrêté évidemment. Confinée dans mon studio, en tant qu'artiste, toutes ces émotions reliées à ce qu'on était en train de vivre, ce qu'on est toujours en train de vivre, j'avais besoin de les formuler, j'avais besoin de les canaliser, j'avais besoin surtout de les transformer. Beaucoup de choses se passent en nous quand on se retrouve confronté à ce genre de situation, et arriver à y poser des mots et dans mon cas des notes, des sons, c'est une façon d'avancer et d'aller vers de la lumière. Et ça m'a fait penser justement à ces histoires d'extraterrestres et de martiens qui viennent attaquer, dont on ne connaît pas vraiment leur nature, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il y a un côté envahisseur et un côté aussi surréaliste, parce que je pense qu'on a été un peu pris par surprise. Je pense que tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Finalement, c'est la beauté de l'art et de la musique, pouvoir transformer les choses et finalement les alléger. Votre pitch était clair, net et précis, hein. Émilie Simon, planète Terre 2020, une menace s'abat sur la Terre, d'immenses vaisseaux venus d'ailleurs s'approchent et avec eux une ombre qui grandit et sème la terreur, la peur et la douleur. Cette semaine, c'est en attendant l'horreur, c'est-à-dire qu'il y a un lever de soleil. Oui, c'est ce que la façon dont moi je l'ai vécu, je pense, qui est assez commune. C'est ok, quand est-ce que ça s'arrête et quel est le bout du tunnel et combien de temps ça va prendre? Toutes ces questions finalement où on peut se retrouver dans une situation d'attente, qui est attendre que la lumière revienne, attendre que les choses s'éclaircissent, attendre d'avoir plus d'infos, attendre que ça s'en aille, que ça passe, quoi. C'est pour moi le deuxième stade, c'est-à-dire cette observation, une espèce de spectateur avec une impuissance finalement, parce qu'on se retrouve chez soi à regarder les choses par la fenêtre ou par la télévision, ou je sais pas, dans ma chanson c'est la fenêtre. Du coup, on peut avoir l'esprit qui vagabonde et qui va imaginer des horizons meilleurs et qui va se projeter dans une liberté qui n'est pas celle du moment, mais qui est peut-être celle du futur proche. Est-ce que ça ne soulève pas aussi des blessures qui ont été extrêmement difficiles à surmonter pour vous? Je pense à votre compagnon qui est décédé en 2009 de complications pulmonaires dues au virus H1N1. Est-ce que vous avez eu de l'angoisse, en fait, quand vous avez appris que ce virus nous obligeait à nous confiner, qu'il pouvait être mortel? Effectivement, ça faisait un petit peu grosse résonance avec cette époque-là, mais de toute façon, ça vient réveiller plein de choses chez les gens. Je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de rester présent, de garder la présence et de rester vigilant, mais en même temps être dans la vie, quoi. De pas se laisser envahir par ces ombres-là, voilà. Ça reste un bel hommage justement de dire que les gens ne disparaissent jamais tant qu'on continue à penser à eux, et c'est un peu ce qui se passe avec cette musique-là. Elle est vraiment habitée, comme tout ce que vous avez toujours fait d'ailleurs, Émilie Simon. L'un de vos titres, le dernier en tout cas de cette EP, va s'appeler Un autre monde. Comment vous l'imaginez le monde d'après? Je pense que c'est un processus et je pense que ce qu'on est en train de vivre là, c'est un grand, grand, grand déclencheur de beaucoup de changements. Et puis, je suis optimiste dans le sens où souvent, même les choses les plus douloureuses nous apportent des enseignements et nous permettent d'aller plus loin, d'être peut-être meilleurs, plus présents à notre vie. Pour moi, le monde d'après, c'est peut-être un monde qui est apaisé, qui sait au fond de lui ce qui est important et qui le préserve. C'est une remise en question de nos points de repère et tout le monde n'avait pas forcément décidé de se mettre à remettre en question tous ces points de repère, mais ça a été décidé pour nous à l'échelle planétaire. Donc au final, ça recentre, mais ça demande du travail, de l'acceptation, de la bienveillance et de la confiance. Pour terminer, quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez avoir justement cette levée de confinement? Je vais aller me promener. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais voir les gens que j'aime, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, En attendant l'horreur, disponible toute la journée, c'est votre nouveau single, effectivement extrait de ce dernier EP qui, a priori, n'a pas du tout de barrière, il n'a pas de limite, il peut être infini en fait ce projet. Oui, je l'ai laissé ouvert pour qu'il puisse continuer à vivre si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, c'est 4 morceaux, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Merci beaucoup, Émilie Simon. Merci beaucoup. Seule dans cette